Salut, c'est Wary de Arcane Gaming, bienvenue à vous sur Kingdom Reborn pour la suite de notre évolution. On était à 208, nos voisins 157, 125, 148. Hein. Je vois qu'ils ont 3 archers, 2 guerriers, 4 archers carrément. Alors lui, on est pareil. Par contre, c'est un stade plus avancé, épéiste. Ah, bah épéiste aussi. Ah, peut-être juste la faction qui change ça. Ok, donc conquérir, bah non, de toute façon j'ai pas ce qu'il faut. Ok, et là, sur 7. Donc au mieux je pourrais en avoir un de plus. Je sais pas si ça vaut le coup, je tente de l'attaquer. Ah, attends, je vais pas le faire ça. Vais pas faire ça. Je suis en train de me souvenir qu'il y aurait éventuellement des choses comme ça. Sur la côte. Je sais pas s'il faut que je fasse ça. Donc là, pour le truc suivant, siècle des lumières, 30 maisons de niveau 4. Pour des maisons du niveau 4, il va falloir que je m'améliore. Vite, ok, donc ça c'est pour faire. Hydromel. Consommation rapide, fonderie d'or. Ok, siècle des lumières, sapière. Voilà. On a de quoi faire du pain, de la poterie. Biens de niveau 1. Ouais, donc nourriture c'est bon, mais les biens de niveau 1 on produit pas brasserie de pierre. Pellicule. Oh, 22 naissances. Tout pareil, c'est l'hiver, il se réchauffe. 5 immigrants. Et par contre, on a eu 11 morts. C'est ici qu'on a ça. Ouais. Population. Ouais, bah, alors là, j'avais pas mal lancé cette construction la dernière fois de maison. De quoi faire boulangerie, alors ce serait pas mal, c'est poterie, et je fasse un autre bâtiment. Je pourrais m'acheter une, alors je suis pas sûr d'avoir brasserie, alors j'ai d'autres brasseries. On pourrait faire ça aussi avant. Mon problème de faire plus de bâtiments, c'est le côté, est-ce que j'ai assez d'ouvriers quoi. Maison de niveau 3. J'en ai 9 et on disait c'était des niveaux 4. Ah, des niveaux 4. Je ne suis pas. Mais là, ce qui me manque, c'est la production. Voilà, ce genre de choses quoi. La bière, la poterie. Il me faut des biens un peu plus luxueux. On avait commencé à produire normalement voilà, des meubles. On peut améliorer ça. Voilà, pour en avoir un peu plus. Briques. Alors, la poterie. L'argile, c'est juste les enfin, voilà, je suis un peu au-dessus en production par rapport à la consommation. Je peux augmenter tout simplement comme ça la main d'œuvre, produire plus d'argile. Production 30, 15, c'est marrant ça. Lui produit beaucoup plus. Je peux augmenter ça. Donc la farine 106. Donc normalement la boulangerie on peut commencer. Il n'y a pas d'effet négatif sur ah et c'était l'entrepôt. Ouais voilà, j'ai mis là. Boulangerie. Ouais, mais de ce côté là. Ok. Et j'avais vu, je faisais pas gaffe, moi j'ai vu au montage. C'est le fait de. Les entrepôts, c'est vrai que ça consomme vite fait de l'argile. Donc les briques de toute façon aussi. Ça c'est un truc qu'il faudrait que j'augmente. Mais j'étais parfois coincé. Ah, donc un peu améliorer la briqueterie avec ça. J'ai 25 points d'amélioration. Ça c'est le nombre de personnes affectées dessus. Okay. Oui, alors là j'en ai deux. Ah, si la ville possède 2, 4, 8 briqueteries. Pas besoin d'être collé alors. Aussi. C'est ce que je me demandais, est-ce que j'ai besoin d'être collé? Mais non, a priori j'ai pas besoin d'être collé. On va augmenter ça. Inventaire de sortie complet. Inventaire de ressources sortantes et plein de ce qui entraîne une pause à la production. Minerai de fer. Il est blindé. Donc voilà, c'est ça. Faut que j'augmente la production de ce genre de choses. Et alors là, je peux vendre, mais plus cette production. Lui est pas mal pour augmenter la main d'œuvre. Alors ils étaient montés à une époque, mais là ils ont non. Donc c'est cannabis, tulipe, 3 immigrants, oui, il y a la place.
Productivité, coût d'entretien. Ah, je crois que j'avais. Je l'ai pris peut-être un peu vite. Il était où, lui? Qui nous produisait du gros poisson. Voilà. Ouais, c'est lui, il coûte cher, hein, l'entretien. Alors, je réduis le coût d'entretien. Oh, je suis à K1 là. Alors, on va accélérer un peu si on va jamais y arriver. Donc là, en moyenne, pour information, je joue entre 1h et 1h30 à chaque fois. Pour produire les vidéos nécessaires. Ah, c'est une ville mineure. Ouais, ça, on va aller chercher ça, les relations extérieures, là, je pense. C'était à quel endroit? S'allier et conquérir, ouais. Peut-être celui-ci, que ça sera bon. Ok. Donc, bon, là, il y a de quoi faire encore. Gestion du marché. Ah, il n'y a personne. C'est la cata, hein, en termes de gens. Need input. Il n'a plus de... Il n'y a plus de blé. Je produis plus... besoin de plus, là. Parce que là, je vois niveau commerce... si je fais commerce, je propose de vendre de la pierre, les minerais. Le cuir, je commence à l'utiliser, maintenant. Hey, a plus de blé. Ah, ils sont en train d'en ramasser. Et là aussi. Alors, un truc, je me rends pas bien compte. Voilà, c'est la nécessité. Alors voilà, c'est écrit. Les citoyens non assignés à des bâtiments deviennent ouvriers. Les ouvriers transportent des marchandises et récoltent du bois et la pierre. Alors ça, par contre, la seule chose, c'est qu'on voit quand ils sont en matière de sortie plein. Alors pour moi, c'était les ouvriers, ça. Donc j'en ai quand même besoin. Enfin, j'augmente la production. Productivité pour la pêche. Comme j'ai fait là. Alors soit avec le bonheur, soit simplement productivité. Voilà, comme celui-ci, c'était pas mal. Plus 4 main d'œuvre, non. Mine gagne un bonus de production avec une main d'œuvre au complet. Voilà. Niveau 1. Niveau 2. Voilà. Ça, j'avais vu que j'en ratais pas mal. Des trucs comme ça avec la pierre. Pendant le montage. Je faisais pas gaffe. Ok. Ah! Bah oui, voilà. Faut plus, faut vraiment plus. Quoi, elle est là. Prendre ça d'abord. J'ai envie de prendre ça ensuite. Je sais pas ce que ça donne les attaques. Faut que j'essaye l'attaque. Oh, ambassade. Plus 5. Pour le constructeur et l'hôte. Ah, attends, une ambassade. Est-ce que ça voudrait dire que... Où est-ce que je peux construire mon ambassade chez lui? Ça te donne pas si je te pourris ta zone. Oh là là. Ah oui, il a pris toute l'île lui par contre. Ah, il a fait beaucoup. Ah, il a beaucoup de blé lui. Ah, c'est pas bête. Je peux t'augmenter ma production. Oui. Ah, peut-être faire un peu de champ comme ça. C'est vrai, il a mis partout là. Ah. Ok. Diplomatie. Déclarer l'amitié. Faire un mariage politique. Voilà. Négociation. Ajouter de l'argent, ajouter des ressources. Qu'est-ce que je pourrais lui vendre qui soit... Je te vends des oranges. Juste ça. Ouais, contre 20 oranges. Pff, 2000. A fait une contre-offre. Ah oui, d'accord. Il dit, ouais, vas-y, donne un peu plus de sous. Ok. Ils ont donné 10 citoyens. Ok. Présent. Et tu donnes ça. On va essayer. Donc là, il faudra 50. Diplomatie, donc je suis à 20. Juste pour nous avoir offert des présents. Ah! Le temps passe. Ouais, il faut vraiment que je fasse des présents régulièrement. Alors là, je suis ici. Ok. On va tenter, hein. On va essayer de faire un peu des deux. Je sais combien j'en suis dans les sous. Si je peux. Je peux pas. Avec ce que le bateau pourrait. Lui, il rapporte 20. 21. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça vaut le coup. Alors ça fait quoi?
C'est pas? Les maisons sont terminées là. Bien. Ça permet d'accueillir plus de monde, mais. Ouh. Ça a bien monté ça aussi. Le quartier. Par contre, là. Oh, ah oui, la consommation de poissons. Alors, je peux tenter faire ça. Voilà. Mais la nourriture, ça va pas le faire. La nourriture chute largement. Alors, j'avais fait des trucs là-bas pour ça. Mais toujours pas. La productivité, je peux le faire, ça, c'est pas grave. Les gens pensent que vous êtes juste, ok, ça c'est sympa, mais par contre ça va être la merde pour la nourriture. Ça repasse un peu au-dessus, mais c'est pas ça encore. Hein. Alors, j'ai la notion d'habitation, là où j'ai pas assez d'ouvriers. Là, j'en ai pas mal. Du coup, ça s'est rempli, ça s'est rempli. Enfin, là, c'est plus la nourriture, j'aimerais bien monter. Hein. Je pense que je vais essayer de prendre la partie poisson, pêcherie. Elle est là. Ah, bah pour là. Pêcherie. Alors, ça, c'est les bâtiments. Alors là. Ok, ça ne dérange pas. Maison. Et un petit entrepôt. Pour le poisson. Bon, on va essayer de augmenter cette partie-là. Ah mais là-bas, je faisais pas du... Ah, je faisais herbe médicinale. Bon, attends, c'est bon, vas-y. Faire comme ça. Et là, ce sera du blé. Voilà. Et là. Ouais. Champignons. Ah, t'as sorti plein. Ah, c'est toi qui vas bosser là-bas? Ok. Alors, vu le problème de bouffe que je rencontre, ça va être tout ce qui est agricole. Alors là, c'est plus 3, plus 3. Et là, ça demande moins. Donc je pense qu'on va, je vais faire ça. Et bah oui, on va partir là-dessus. De l'autre côté, construction rapide, martial. Voilà, on a des naissants, des immigrants, 18 morts comme de vieillesse. Et là, bah, par contre, comme j'entretiens pas diplomatie, ça descend. Mariage poétique. Vous êtes de la même famille. Ok, super. On pourra faire l'ambassade. Ambassade. Hop. Yes. Construit avec succès sur une terre étrangère, Marc, pour conserver le droit de démolir ce bâtiment. Vous avez offert 100. Ah, bah, c'est gentil. Améliorer chaîne d'hôtels. Gagner un coût. Gagner de revenus équivalent à 1% du revenu provenant des hôtels de cette ville construits par vous. Des hôtels. Je peux construire des hôtels. Le bâtiment étranger me renvoie à 1200. Hôtels. Ah, attends, c'est la société là-dedans. École, théâtre, hôtel. Oh!
Ok. Cave à vin. Ah, lui. Ouais. Ouais, bah écoute, on ira chercher ça. J'aime bien cette partie diplomatie là. Cette approche est sympa. Briquetterie. Troisième migrant. Oui, bah vas-y. Ah, alors. C'est pas qu'on consomme moins que de... Alors, il y a ça parce que j'ai fait une nouvelle pêcherie. Mais on va augmenter la production. Pff, les sous, par contre, j'ai vachement baissé. Faut que je fasse gaffe. Rétrogradé. Aïe, 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 aïe. Alors, lui. Voilà. Donc, ça, c'est un élevage d'ovin. Voilà. Ferme de champignons. Ah, la maison commence à se faire ici. Champ pipi. Voilà. Ah, il va chercher ses ouvriers maintenant là-bas. Bon, je t'ai mis là. Fais peur pour la bouffe. J'ai envie de continuer là-dessus du coup. Alors, ce que j'ai pas fait, c'est la pour la chasse. Dernière. Ouais, il y a des animaux ici là. Cabane de chasse. Cabane de chasseur. Tanière, j'en ai deux. Ouais. Pas mal, faut que je jusqu'en bas. Voilà. Maison juste en face. Ah, y'a pas assez de blé. Bah ouais, bah, je vois bien. Hein. Voilà, il y a quand même deux personnes. Ouais, 8 personnes dessus, quoi. Bon, bah, on va attendre, hein. Mais. Laisse-moi le faire. Ah, on va faire. Ah, première maison niveau 5. C'est ça qu'il m'a dit. Ouais, niveau 5. Et là, au niveau commerce, sinon, il faudrait que j'achète. Acheter. Besoin. Tout coûte assez cher au niveau bouffe. Ça fait chier d'acheter. Tout ça. Les outils, j'en ai pas mal. Hop. C'est là. Ah oh là là. C'est chaud. 5. Ok. Juste ce qu'il faut là. Oh. J'ai des vêtements. La hutte de cueilleur qui est perdue au fin fond. c'est pas mal ça, hutte de cueilleur, Marc. Pas mal là. Je vais faire ça. Hutte. Une autre. On va des notes coco. Alors j'espère qu'ils vont avoir assez de personnes dans le coin.
Voilà. Et là, je pourrais faire pareil chasseur. C'est sur Twitter, comme ça, il y avait quelqu'un qui mettait une photo, une capture d'écran où il y avait plein, 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 plein de nourriture. Pas encore ça. C'est pas encore ça. Ouh. La production de nourriture, j'aime bien on voit le zigzag vert là. Le rouge est assez constant, ça baisse un petit peu à la fin là. Et fou, lolo, lolo. Niveau 5. Ouh, jolie la maison. Classe. Alors, dans un sens, je voulais en garder moi pour pouvoir faire ça là. Donc les briques, ça va mieux quand même. Priorité des emplois. Alors, ferme, cabane de bûcheron, ferme champignon, pêcherie. Ah oui, je peux les descendre comme ça. Cabane de chasseur, carrière, hutte de cueilleur, on va les monter. Port de pêche, eau profonde. Attends, on va faire comme ça. Et juste comme ça. Mine d'or, tu vas être en dernier. Bureau d'immigration aussi, marché. Service de manutention. Faut que ça transporte les ressources. Ok, donc ça c'est bien. Ah bah je l'avais là pour le commerce auto. Ajouter un ordre d'exportation automatique. Ah bah voilà. Ça aurait été bien ça. Effectivement. Ouais. On va essayer de faire. On a du bois. Par exemple, on va faire un peu de bois. Ah, inventaire cible. Ah c'est sympa ça. Ok. Ça c'est bien. Ça c'est bien. J'ai bien pensé ça. Oh, on va vendre un petit peu plus ça. On va garder certaines ressources que normalement qui s'épuisent. Le bois, normalement, pour moi, ça s'épuise pas, donc c'est bon. Donc ça, il y a les techniques de chauffage pour réduire la consommation de charbon. Je suis intéressé. Einstein a atteint le numéro 3. Ah, mais c'est pour autoriser la culture du riz. Ah, oui. Et l'entrepôt. Coton. Oh, là, c'est je tente. Après, ça va contre la notion de bouffe que j'ai besoin de récupérer. Ah, ça. Je suis plus à 4000 et quelques. C'est quoi, ils se sont barrés? Mais je suis quasiment équilibré. Ça me permettrait d'aller, ouais, mais c'est un truc militaire quoi. C'est tracker. On va essayer de voir ce que ça donne le bateau. 157, 133, 165. Quoi, diplomatie. Mais j'ai pas encore accès aux hôtels. Après, il y aurait la pêche en eau profonde que je pourrais continuer de développer. Je peux pas encore déterminer que je peux faire du coton. Hein. Autorise la culture du coton. Ouais. On verra ce que ça donne. On peut remonter ça. Oh! Ah non, d'accord, c'est une unité militaire. Voilà, productivité. Voilà. Alors là, il faudra que je fasse le coup. Ça coûte moins cher. Super. Oh, quête terminée. Produire 500 poteries. Maître potier. Les potiers gagnent un placement de ville. Bah oui, mais j'ai pas de... J'ai pas de place dans ma ville. Oh, ça a quand même amélioré ici, en partie. Bon, pas autant que celle-ci, mais... C'est que des lumières, j'en suis loin, quoi. Hein. Maison niveau 4. Après, je pourrais faire le commerce avec ça. Dehors. Ferme de champignons magiques. Ah oui, c'est vrai qu'on a les champignons magiques. Ah, il y a production. Ferme de champignons. Alors, je peux m'acheter une carte.
Allez, faire le coup d'entretien. C'était lui. Cinquante-six ouvriers. C'est déjà compliqué, il y a beaucoup de choses. Alors fais voir, ça dit quoi? Ah, 4005 là, c'est passé. J'ai encore largement besoin d'augmenter ma productivité. Voilà, on va arriver à la fin pour la recherche. Alors, je sais pas si j'ai pas détruit le bateau. Voilà. Ça sert à rien finalement. Que ça vaut le coup de prendre une autre pêcherie. Alors, on va continuer. On va augmenter la productivité. 2100. Oh, ça va, c'est lui. Truc de malade. C'est quoi ça? Du pain. Ah, ça y est, on a du pain en réserve. Ah, y'en a qui ont faim. Ça le fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas. J'avais ma deuxième. Ah, ailleurs. Abattage à mi-population. Et on va faire abattage à mi-population. Voilà. T'as une maison niveau 5. Dijoux. Dijoux. Je vais voir, j'ai des cartes. Toujours voir pour augmenter la productivité. Cabane de chasseur. Je peux toujours pas. Ah, ça a pas marché, hein. Ça a pas marché, ça. Ah, d'accord. Donc je peux détruire ça et je vais faire pareil avec ça. Voilà. Et là, tu vas me faire. Ah non, ça marche pas. Ah, dans cette zone-là. Voilà. Et par contre, ici. Voilà. Une petite maison dans le coin. Et est-ce que je fais un entrepôt aussi? Pas mal de choses. Les pêcheries. Ouais. Alors, l'avantage, c'est que j'ai quand même déjà 120% l'autre. Voilà. Avant, c'est le coût. Je peux te m'acheter une carte pour le coût d'entretien. Ah oui, j'ai plus de gens que de maisons. Alors ce qui est bizarre, c'est que le logement, je pensais que j'en avais plus à un moment donné. Ah, j'ai déjà des maisons en courant. Ferme de champignons, ça. Ah, le coût d'entretien, ouais, il est à 10, mais je peux augmenter la productivité. J'y vais, hein, parce que là,
16 000. Productivité. Aïe aïe, consommation de ressources. Voilà. Mais cassez-vous, venez pas. Venez pas chez moi s'il n'y a pas de place. Alors, où j'en suis? Une notion de construction rapide, je pourrais payer pour que ça avance, mais niveau 4, du coup, ça a baissé. 2100, 3000. Waouh! Comment ça tire, hein? On continue. À un moment donné, j'étais trop bien en poisson et maintenant, c'est la cata. Hein. Puis vendre! C'est trop bien de vendre. C'est quoi que j'ai là? Mine d'or. Ah oui. Là, c'est la fonderie. Faut que je fasse la fonderie pour vendre les lingots d'or. La bibliothèque, elle serait pas mal. Donc là, si je faisais un entrepôt. Je l'ai acheté, je vais le détruire. Voilà. Bon. Il va falloir équilibrer ça. C'est là où moi j'arrive des fois un peu à mes limites dans ce genre de jeu, c'est quand il concernera trop. Savoir garder un équilibre. Pas évident, hein. Question du marché. Peut-être que ça ferait que je diminue ce que. Fournit ce dont un foyer a besoin dans son rayon. Ce manœuvre transporte 50 unités. Est-ce que c'est lui qui aurait provoqué cette baisse? Je passe fromage, effectivement. Je vois ce que ça donne de faire comme ça, tout autorisé ou pas, je sais pas. Je sais pas si ça pourrait influencer. Non, il n'y a pas de place. Qui est venu quand même. Ah, il n'y a pas la place. En famine, bah oui, mais je sais bien, je suis bien au courant que il n'y a pas la place et j'ai pas assez de bouffe. Alors j'ai les porcheries. Ah, ça a pas l'air de râler en termes de. Ah, un peu plus ça passait. Je pourrais en mettre une là en tout cas. Et donc, oui, bon, je sais pas encore. Je peux rajouter ça. Trop loin du stockage? Ah, c'est ballot. Merde. Là, ça a vendu là. Ouais, bah, c'est pas évident. Là, il faut que je retrouve un équilibre. Continue à me concentrer sur la partie nourriture, je pense, encore un moment. Porcherie. J'en ai demandé ce que je mettais par là. Je vais pas coller, parce que si je veux partir par là-bas, je me garde une route. C'est deux emplacements. Voilà. Bon, ça fait déjà beaucoup hein, quand même à faire. Les outils. Il me reste encore les outils en pierre, heureusement. La forge doit tourner à plein régime. Pour améliorer la productivité. Tailleur. Je peux améliorer. Voilà. Là, c'est que les cartes elles coûtent de plus en plus cher, donc c'est chaud. Parce que sinon là, il y aurait bien la notion de productivité au niveau de la viande. Il n'y a plus de viande en tout cas, ils ont tout bouffé. Ok. Bon bah écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On prendra ça la prochaine fois. Ou là, bah c'est dommage, hein. J'avais une maison niveau 5 ici, bah elle est redescendue. Ça fait quand même yo-yo, j'ai pas stabilisé, je piétine un petit peu. Ouais, faut lui demander pour qu'il. Voilà, j'ai fait consommer moins de ressources. Ça pourrait être ça.
Voilà. On consomme moins de ressources. Il y a des champs qui se mettent en place. Oh, je crois que la roue, je me suis planté. J'ai fait une route pas vie. Bon, bah, ils ont une super route. Je sais pas si ça. Vitesse de déplacement. Ok. Est-ce que. Ah, ils permettent de faire évoluer. Ça, c'est sympa. Attends, je vais juste. Voilà, pour faire joli. Voilà. Et dernier coup, ici. Ah, quoi qu'il y ait ici, ce serait pas mal. Voilà. C'est vrai que ça peut être pas mal pour accélérer peut-être les transports. Effectivement. Voilà. Ici, je partirais bien là-dessus pour la partie pour aller vers le vin. Mais par contre, c'est des ressources. Il y a l'or, la fonderie. La fonderie, ça peut être bien la fonderie pour au niveau commerce. Là, il commence à y avoir de plus en plus de lieux à conquérir. Ah, c'est peut-être des points d'ancrage pour être positionné ailleurs. Ok. Ça peut être intéressant. Conquérir, là je fais des bateaux et j'obtiens le cannabis là. Par exemple. Peut-être à tester. On peut peut-être tenter ça. Oh, bon, là ce qui était sympa c'est que on a quand même fait l'ambassade ici. Je pense que ça apporte réellement parce que bon, faut avoir l'hôtel. L'amélioration de chaîne d'hôtel, ça. Je sais pas encore. Diplomatie, voilà. Ça diminue peut-être un petit peu. Tiens, je vais te donner présent. Ressources. Vêtements. Petit vêtements. Monter un petit peu. Voilà. Plus un. Oh, ok. C'est pas énorme. Ouais. Donc il y aurait la fonderie que je peux lancer dans quelques instants. Voilà. Et là, on va aller chercher la fonderie. Pour pouvoir fondre mon or. Et permettre un peu plus de commerce. Bon, bah, allez, sur ce, je vous laisse. Et on vous dit à très bientôt pour la suite. Allez, ciao, bye bye, et portez-vous bien.